السلام عليكم ورحمة الله. دوك هذا الفيديو نيمو 1 اللي متعلق بلا كونطابيليتي جينيرال سيمستر 1. دوك هذا لو بروغرام موجه للطلبة ديال السنة الأولى علوم اقتصادية, الناس اللي في لا فاكولتي سيمستر 1, وحتى لي ستوديون دي غروند زيكول بحال ليسك او لا شو ام لي جي ا اكسيتيرا اكسيتيرا. Donc, on a le vidéo numéro 1, la comptabilité générale et son rôle. Donc, objectif de la vidéo est distinguer les différents flux de l'entreprise. Deuxièmement, saisir la nécessité de la comptabilité pour l'entreprise. Troisièmement, définir la comptabilité générale. Mais tout d'abord, il faut définir la notion d'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'entreprise? Donc, l'entreprise est une unité, économique qui produit des biens et services. Et les biens et services. Donc, quelle est la différence entre biens et services? Bien, c'est les tangibles, touchables. Je parle d'abord l'exemple de PC portable. Par exemple, stylo, bureau, chaise, vêtements. اي حاجه اللي توشابل. باغ كونتر لي سيرفيس عندنا شي حاجه اللي انتانجيبل ولا انتوشابل, بحالاش بحال ليكزامبل ديال مثلا سيرفيس ترونسبور اون يوتيليزون دي مويان ماتيريال اي ايما دي مويان ماتيريال بحال لي ماشين ماتيريال دو شي ماتيريال دو برودكسيون اي ايما. Et bien, bien sûr, il y a le personnel de l'entreprise, il y a la main-d'œuvre, maintenant, humain, personnel. Personnel de l'entreprise. Les biens et services produits sont vendus sur le marché au consommateur. Il y a les biens et services, c'est le consommateur. En général, les demandeurs, il y a les clients. Dans le but de réaliser des bénéfices. Bénéfices, ça veut dire que c'est des profits, mal herbeur. Donc l'objectif de la création de l'entreprise, c'est réaliser des profits. L'entreprise ou l'association. L'association, le jumeillet, les associations n'ont pas un but lucratif. Par contre, l'entreprise, elle a un but lucratif. Il a un but lucratif. Ça veut dire qu'elle cherche le bénéfice. Classification des entreprises selon leur type d'activité. Donc, la classification, on peut distinguer les entreprises commerciales. Donc, qui doit les entreprises commerciales qui doit l'achat et la vente sans transformation. Qui j'ai de la marchandise qui a du bureau, mais qui doit la transformation. Donc, qui sont les entreprises par exemple de négoce. Les entreprises commerciales qui revendent en l'état les marchandises qu'elles ont achetées, exemple épicerie, librairie, quincaillerie. Les entreprises industrielles, chez les quatre scénarios, les mokawas scénarios, qui ont la transformation, qui jibouent de la matière première, on m'a dit que la matière première qui rejoint le produit, mais c'est infini. Les entreprises industrielles qui vendent les biens qu'elles ont elles-mêmes fabriqués à partir des matières premières. Par exemple, on a l'exemple de la boulangerie, menuiserie, fabrique de conserves. Par exemple, les boulangeries ont de la matière première, du sucre. On a par exemple le chocolat, de la farine, qui appellent des produits. On a l'exemple de la centrale laitière, la matière première, bien la matière première. On a le lait qui charge maintenant, le fromage, le beurre, etc. etc. Après, il y a les entreprises prestataires de services, les hôtels, entreprises de transport, restaurants, etc. etc. Il y a les entreprises financières, les banques, les sociétés d'assurance, chez les 4000. Il y a les entreprises agricoles, les fermes ou l'élevage. Après, on a la notion de le cycle d'exploitation d'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cycle d'exploitation dans l'entreprise? Le cycle d'exploitation comprend la totalité des opérations réalisées par une entreprise.
يعني كتبدا اون جينيرال من لابروفيزيونمون ديال هذيك لا مارشانديز ولا ماتيير بروميير. لابروفيزيونمون هي لاشا حتى لا كوميرسياليزاسيون. غير هنا كنشوفوا ليكسبلوطاسيون ديال لونتربريز، واش هنا كنشوفوا بعدا لاكتيفيتي ديال لونتربريز واش هي اندستريال ولا كوميرسيال. دونك عندنا هنا لو سيكل ديكسبلوطاسيون دونتربريز، il regroupe l'ensemble des opérations qui constituent l'activité d'entreprise et qui se répète plusieurs fois au cours de l'année. يعني كتبقى تعاود يعني في الاني. هنا عندنا لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديال لونتربريز كوميرسيال، شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه اشا دو مثلا اشا دو مارشانديز اوبري دي فورنيسور. فاش اللي عندنا هنا كنجيبوا لا مارشانديز كندخلوها للمغازا ستوكاج، من بعد تنبيعوا هاد لا مارشانديز لو كليون الفونس. هنا ديت ديت سافدي هنا اشا اكريدي، يعني مازال ما خلصناه. وهنا فونس اكريدي، يعني حتى لو كليون مازال ما خلصنا كريونس. من بعد تيخلص لو كليون اونكيسمون بايمون، يعني كندخلوا فلوس هنا لا كيس او لا بانك نزيدو هنا. ابري ملي كيخلص لو كليون تنعاودو حنا نخلصو لو فورنيسور. علاش؟ حيت عندنا هنا اشا كريدي، كنا خدينا هذيك لا مارشانديز ان كريدي، اي اون فا اشتي عاوتاني ان نوفو ديك لا مارشانديز ابري لو فورنيسور، باه كيكون لو ستوكاج الفونت اون كيس فونت ا كريدي، من بعد لو كليون تيخلص ان سي دو سي. هذا كيتسمى هذا كامل هذا هو لو سيكل ديكسبلوطاسيون دونتربريز كوميرسيال. هنا ما عندناش فيه لا ترانسفورماسيون. دوزيامون عندنا سيكل ديكسبلوطاسيون دي اونتربريز اندستريال، مثلا مقاولة صناعية. دونك هنا عندنا اشا دو ماتيا بروميير، مادة الأولية ماشي مارشانديز، اشا اكريدي. من بعد كندخل هاد لا مارشون هاد لا ماتيا بروميير الماغازا ستوكاج، من بعد تنخرجوا هاد لا ماتيا بروميير تنديروا لاتولي دو فابريكاسيون، يعني لوزين، يعني لو دو لا ترانسفورماسيون لا فابريكاسيون. من بعد لا هاد لا فاز ديال الفابريكاسيون كتعطينا واحد لو برودوي فيني، برودوي فيني هاد لو برودوي فيني كيكون هنا كندي عاوتاني هنا الماغازا، يعني ستوكاج ستوك دو برودوي. ومن بعد كتكون هنا فون دو مارش دو برودوي فيني او كليون، من بعد تيخلص لو كليون ديسپونيبيليتي سافدي، هنا كتكون بانك وهنا كاس مثلا، تنخلصو عاوتاني لو الفورنيسور حيت كتدير هنا اشا كريدي. اي نبداو لوبيراسيون عاوتاني من الاول، اشا دو ماتيير بروميير اكريدي كندخلوها للمغازا، من بعد تنخرجو لا ماتيير بروميير تنديوها للوزين ها لو دو لا ترانسفورماسيون. ابري كتلقاو على لو برودوي فيني كان عاوتاني كنحيدوها من اللوزين تندخلو ستوك دو برودوي، ومن بعد تنبيعو لو كليون سي دو سويت. هذا هو لو سيكل ديكسبلوطاسيون دي اونتربريز اندستريال. Donc la différence qui est entre le cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle ou le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale, l'industriel a défini la transformation. Par contre, il a dit le cycle d'exploitation commerciale, mais a défini la transformation. Commercial fait l'achat et la vente sans transformation. Après, il y a les partenaires de l'entreprise. Donc il y a les partenaires internes et externes. Ce sont les différentes parties liées par des relations diverses à l'entreprise. Il y a des fournisseurs, partenaires externes, banques, partenaires externes, clients, partenaires externes, personnel, partenaires internes, il y a des gens dans l'entreprise. Donc il y a des le milieu et dans l'entreprise. Donc à la flèche, il y a des ces prestations fournies par l'entreprise à ses partenaires. وهنا هاد لا فليش الخضراء هي بريستاسيون روسي بار لونتربريز دو سي بارتنير. دونك عندي هنا في لو ميليو عندي هنا لونتربريز، دونك مع لا بانك، دونك بالنسبة لونتربريز هنا البارتنير الاكستيرن اللي هو مثلا لا بانك. دونك لا بانك اكورد دي بري، كيعطي القروض لونتربريز، و كونتر بارتي لونتربريز باي دي زانتيري. باغ اكزومبل لا بانك عطات واحد البري ديال 1 مليون 200 000 dirhams par exemple, mais le paiement l'entreprise a tchallas l'intérêt. L'intérêt maintenant a tchallas 300 000. Bien sûr, elle va payer le principal plus l'intérêt a tchallas maintenant 1 million 200 000 plus
واحد 300 000 مثلا ديال الانتيغي، هذا هو لو برينسيبال داكشي اللي تسلفت بليس واحد الانتيغي، هادشي غنشوفوه من بعد في لي ماتيماتيك فينونسيير. ابخي لونتربريز افيك مثلا لي فورنيسور، مثلا فورنيسور، مثلا فورنيسور دو ماتيير بروميير، دونك لي فورنيسور مثلا كيبيعو لونتربريز هاديك لا ماتيير بروميير اون كونتر بارتي بايمون، بايمون مثلا بار شيك في مثلا 100 000 ليرة بار اكزومبل. هنا لي زاسوسيي، لي زاسوسيي هما لي زاكسيونير، سو سون لي جون كي اون كريي لونتربريز. هناك عندكم هنا لابور الكابيتال، يجيبو ناس المال اون كونتر بارتي كيستناو واحد لو ديفيدوند الارباح، لي ديفيدوند الارباح يعني هذوك بحيث هذوك لي بروفي. l'état l'entreprise et l'état l'état c'est le partenaire partenaire externe. Donc l'état offre des services, bhal achète les services bhal les infrastructures chez les autoroutes les hôpitaux etc etc. En contrepartie l'entreprise elle doit payer des impôts, des impôts, des impôts et taxes. On a le personnel, personnel d'entreprise. On a la relation qui met bien le personnel d'entreprise, le personnel d'entreprise. Qu'est-ce qu'on a un contrat de travail. Donc le personnel, je nous qu'il y a la force de travail, il y a la force de travail. Il y a un petit cher. La contrepartie, l'entreprise paye des rémunérations, ça veut dire salaire au jour. On a les clients, l'entreprise vend des biens et services, des PC, des tables. Des silos, on a le paiement, la contrepartie d'il a les biens et les services. Donc l'activité d'entreprise et ses relations avec ses différents partenaires se traduisent par des flux économiques. Donc ils sont les flux économiques réciproques. Parlez maintenant. On a des flux économiques réciproques. Flux économiques. Les mouvements de matières premières, de produits, de services, d'argent, dans les schémas précédents, ces flux sont représentés par des flèches. Okay, des flèches, moi, qui appellent les flux. C'est pour ça que c'est mutuel. Donc, on a les flux économiques d'entreprise. Donc, notion de flux économique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par flux? Dans le domaine économique, le terme flux désigne les mouvements de biens et de valeurs qui se produisent dans un intervalle de temps déterminé. Il peut s'agir de points, des flux de biens matériels, des flux c'est des mouvements. Il y a donc des biens, des mouvements matériels, des services d'argent. De biens matériels, matières premières, marchandises, outillages. De services, des services transport, publicité, réparation. Au lieu d'argent, au moins le paiement, encaissement, ça veut dire l'argent, les mouvements d'argent, c'est au moins la contrepartie des prestations. Donc par exemple, par exemple, deux agents économiques, l'entreprise, on a un ménage. L'entreprise, par exemple, vend, par exemple, une table, le ménage, ou la contrepartie, maintenant, 4 000 dirhams. Cette table est appelée flux réel, ou 4 000 dirhams, flux monétaire ou le flux financier. Un exemple maintenant de flux, les flux économiques, un flux réel, un flux financier. Classification des flux économiques. On peut classer les flux d'entreprise selon leur nature, soit flux réel ou le financier. Flux réel, par exemple, PC portable, ou flux financier, ou la contrepartie de PC, ça qui est 8 000 dirhams, qui est un flux financier. Et selon leur origine, soit flux externe ou interne. Donc, on a les flux réels et les flux financiers. Donc, exemple, flux réel ou le physique, c'est intouchable. Ce sont des flux qui constatent des mouvements des biens et services. Par exemple,
entrée et sortie de marchandises, de matières premières, travail fourni par les salariés, etc., etc. Flux financier ou le flux monétaire ou le flux d'argent, ce sont des flux qui constatent des mouvements de monnaie et d'autres moyens de règlement. Mouvement de monnaie, ça veut dire dirham, maintenant. Exemple, paiement des achats, achat de marchandises ou de matières premières. Et encaissement, ça veut dire entrée de l'argent, parce qu'on avance. Encaissement, en espèces ou par chèque, versement des salaires ou le paiement des salaires, paiement des impôts, dans les paiements des impôts et taxes, intérêts, etc., etc. Et dans les flux externes ou les flux internes. Les flux externes, ça veut dire les relations avec les partenaires d'entreprise. Externes expriment les relations d'entreprise avec ses tiers, mais les partenaires. Les partenaires d'entreprise, les banques, les assurances, les clients, flux, on a l'exemple, achat et vente de marchandises, de matières premières, de services, paiement et encaissement divers, etc., etc. Flux interne, ça veut dire en interne d'entreprise, à l'intérieur d'entreprise, traduit l'activité interne d'entreprise. Exemple, mouvement de matières des entrepôts vers des ateliers. L'atelier, hein, à l'intérieur d'entreprise. خدينا واحد الماتيير بروميير هزينا من لاتولي ا حطيناها في لوزين. هذه الحاجة اللي في واحد فلو انترن يعني على انتيغ دونتربريز. موفمون دو فون انتر كاس مثلا فيرمون دو فون. Donc, la nécessité et rôle de la comptabilité dans l'entreprise. La gestion d'entreprise exige la connaissance et le suivi permanent de tous les flux. Donc, علاش كندير la comptabilité هنا باش يكون عندنا واحد السويفي، باش يكون عندنا واحد لا تراسابيليتي ديال هذوك لي فلو. لي فلو سوا لي فلو انترن او لا اكسترن، خاص يكون عندي واحد لا تراسابيليتي تو سامبلومون. دونك ديفينيسيون دو لا كونتابيليتي جينيرال. دونك ديفينيسيون دو لا كونتابيليتي جينيرال. لا كونتابيليتي جينيرال C'est une technique d'enregistrement de toutes les opérations effectuées par l'entreprise, de toutes les opérations les opérations d'achat, de vente, etc., etc. au cours d'une période déterminée appelée exercice comptable. Donc l'exercice à une période donnée, qu'est-ce que l'exercice comptable? L'exercice comptable, les pays qui ont l'année, où il y a 12 mois, qu'est-ce que demain janvier, ou qu'est-ce que c'est décembre, ça veut dire non, 12 mois. Donc, on a une année civile, c'est l'exercice comptable, puis 12 mois, en général, qui est 9 janvier, qui est 9 décembre. Il permet de retracer chronologiquement et méthodologiquement. Chronologiquement, ça veut dire dans l'ordre chronologique. Il y a l'enregistrement comptable, quand même, l'enregistrement, quand il faut trier les documents. كنديروا الكلاسمون علاش يمكن لنا نديروا لوجيستمون كونطابل كان بدا مثلا من جونفيي ما كنديروا فيفريي لوجيستمون مارس انسي دي سويت لي فلي ايكونوميك دونتربريز اي لي شونجمون كي افيك سا سيتوياسيون لي بيان كريونس اي ديت دو لونتربريز هاد لو بوان جو فوا في لا كونطابيتي جينيرال يعني من بعد ملي ندخلوا مزيان في لي كور نيسيسيتي دو لا كونطابيتي جينيرال دونك هنا Pour la gestion d'entreprise, c'est pas la nécessité ou l'importance de la comptabilité générale, pour la gestion d'entreprise, les données fournies par la comptabilité, par exemple le résultat, le bénéfice ou perte, et à la fin de l'année, il faut calculer le résultat. Est-ce que c'est le résultat? Il y a la somme des produits moins la somme des charges. Il y a quand même des plus bénéfices, il y a quand même des moins pertes. Ils servent de base aux différentes décisions que les gestionnaires d'entreprise doivent prendre. Les gestionnaires, les décideurs d'entreprise. Par exemple, dans l'entreprise fabrique maintenant 4 produits A, B, C, D. Le produit A est rentable, selon les données de la comptabilité générale. Le produit B est rentable, pas de problème. Le produit C est rentable, mais le produit D n'est pas rentable. Soit par exemple qu'il y a un problème d'emballage. Donc,
خصنا نبدلو لومبالاج اولا لو بري، il faut maintenant diminuer le prix ou là ou un produit par exemple n'est pas rentable. Donc l'entreprise maintenant ou là les gestionnaires d'entreprise maintenant ils maintenant ils travaillent là le produit par exemple. C'est un exemple pour l'information des tiers. Donc les différents tiers d'entreprise ont besoin d'avoir des informations sur l'association d'entreprise pour diverses raisons. Je connais moi des tiers, moi les partenaires, des tiers moi je connais moi les partenaires externes, les banques, les assurances. Même si les banques l'octroient les crédits, qui la comptabilité elle est les crédits. Et sur la base de la comptabilité, la banque a la décision de la le crédit ou la le crédit de l'entreprise. Déterminer le montant des impôts, l'État, le paiement des impôts et taxes. Savoir si l'entreprise est solvable, les fournisseurs solvables, ça veut dire est-ce qu'il a la capacité d'honorer ses engagements. J'adore le contrat, je te relance avec l'idée de là. Ou des raisons juridiques. Des raisons juridiques. Dans l'article 19 du Code du commerce, stipule que le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi 988. Là, la comptabilité est obligatoire. Est obligatoire par la loi. Obligatoire. Donc finalement, on a la synthèse. L'entreprise est une unité économique. L'entreprise utilise le travail, ça veut dire la main-d'œuvre, les moyens matériels, par exemple les machines, ou les moyens financiers, un capital, pour produire des biens et services. Des biens et services, l'entreprise est bien une fois le marché. Après, je fais la notion du flux. L'entreprise est un centre de flux économique. Donc, les flux économiques correspondent aux différents mouvements de biens et services. On a la classification selon la nature. L'origine, là, sur soit dans des flux réels, alors le flux financier, flux réel, c'est quelque chose de touchable, par exemple, maintenant, par exemple, les silos, ou le flux, flux réel, et les flux financiers, par les salaires, par les impôts et taxes, ou selon leur origine, on distingue les flux internes, ça veut dire l'intérieur d'entreprise, ou l'externe, et même les partenaires d'entreprise. Ou finalement, on a l'objectif de la comptabilité générale, une technique d'enregistrement des flux kamlin, les flux réels ou les flux financiers en interne ou en externe. La comptabilité générale a pour objectif principal l'enregistrement quotidien des flux économiques de l'entreprise dans les livres comptables. C'est un outil de gestion des tiers, est une obligation légale, ça veut dire qu'il est obligatoire selon la loi 988. Vidéo qadim, inshallah.